insatiable petite fouine numéro 2 du nouveau format Fastbook. Je vois que t'es de retour, c'est qu'on s'habituerait presque. Fastbook, c'est facile, une critique de livre, quelques minutes, on en parle ensemble et le tour est joué. Je m'excuse par avance pour le son de merde qui rappelle les plus grandes heures de l'Allemagne de l'Est avec un budget micro d'environ 14 roubles. Donc si le son est dégueu, c'est normal. Et tant qu'on est dans quelque chose de dégueu, de quoi je vais te parler aujourd'hui? Un tournant de la vie. Christine Angot chez Flammarion. Oh là là. Pourquoi je te parle de ça? Parce que Fastbook, il n'y a pas que du bon. Tout est bon dans le cochon, sauf le trognon, comme on dit au Pays de Galles. Le livre. Christine Angot, j'étais obligé. Aujourd'hui, c'est elle qui donne le « là ». C'est elle qui donne ça sur les plateaux télé, qui explique aux gens si c'est bien écrit ou pas. Hashtag, on n'est pas couché sur France 2. Ils sont encore 14 téléspectateurs à regarder ça, mais ça existe. Et donc, il a fallu l'étudier, ce nouveau livre de Christine Angot. L'histoire, elle est simple. Un espèce de triptyque amoureux qui n'a rien à envier au ch'ti à Mykonos ou au Marseillais à l'école. Le tournage a dû être interrompu, faute de concurrents. Christine Angot raconte une histoire plutôt chiante, une histoire d'amour qui est largement inspirée de son histoire à elle avec Doc Gineco. Autant te dire qu'il ne s'agit pas d'un couple sponsorisé par Red Bull, hashtag Red Bull sur votre écran, taureau rouge. Christine Angot raconte ça dans une langue totalement mauvaise. Depuis après le gardien du PSG, on n'a pas fait plus nul. Laisse-moi te citer un passage, parce que quand même, ça vaut son pesant de chipsters. Voilà, c'est reparti. L'amour, le cœur qui bat, la nuit sans fermer l'œil, le téléphone au pied de mon lit, l'impression de vivre, le sexe qui mouille, la peur. Voilà, bon, on est au-delà du chef-d'œuvre. Non, mais te taille pas les veines tout de suite, calme-toi, l'asticot. On n'est pas chez Montesquieu. On n'est pas chez Victor Hugo. Là, on n'est plus chez Tata Janine qui écrit sa mémoire. Franchement, si tu veux mon avis sur ce livre, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, Dja-Dja. À ce qui paraît, d'ailleurs, tu me cours après, mais ça va pas, mais t'es taré. Oh, Dja-Dja. Il n'y a pas moyen, Dja-Dja. Je suis pas ta catin, Dja-Dja. Oh, Dja-Dja, Dja-Dja. Non, franchement, tu vois, Fastbook, il y a du bon, il y a du pas bon. Là, aujourd'hui, avis négatif sur un livre, bon, quand même. Puis on aime bien taquiner Christine Angot, on l'aime bien. Mais là, franchement, j'aurais aimé développer sur ce livre. Mais quand c'est écrit avec un niveau d'un concours d'écriture de 5e pour raconter tes vacances à la vole... Le livre. Oui, j'ai lu Christine Angot, monsieur. Oui, parce que moi, j'ai le goût du risque. Oui, moi, même une fois, je peux te le dire, j'ai écouté l'album de Zaz en entier. Donc moi le matin au petit déjeuner je mange du Whiskas. Je suis un fou moi. Premier Fastbook, on avait eu Adeline Dieudonné, la vraie vie, c'était formidable. Le deuxième, Christine Angot, un tournant de la vie. Ça vaut le voyage. C'est un peu comme un magasin Lidl en race campagne qui est près de la fermeture. Ça vaut le voyage, faut le voir. Faut les voir, les rayons vides, les idées creuses, ça vaut le coup. Alors là je lance un sondage, oui je parle au français. Oui monsieur, je parle au français. Si vous avez déjà lu du Christine Angot, mettez en commentaire ce que vous en pensez. On n'est peut-être pas les seuls. Peut-être qu'on peut faire quelque chose pour l'aider, je sais pas, un Christine Angoton. Peut-être qu'on peut réunir du pognon pour je sais pas, qu'elle s'achète un style, par exemple. On va se retrouver bientôt pour d'autres Fastbook. En attendant, découvre sur celui d'Adeline Dieudonné. Ça, c'était bien. Et puis sinon, tu peux t'abonner. Tu cliques là. Et puis voilà.